Lui, c'est Hamzandwich, humoriste, comédien marseillais. Il a la lourde tâche cette année encore de piéger des personnes de la mission locale du Pays d'Aix. On le retrouve dans la peau de Francis, un professeur de mécanique au CFA d'Aix-en-Provence. Il considère ses véhicules comme de véritables patients. Ah, vous inquiétez pas! C'est mort! Arrêtez de bouger! Ça y est, c'est fini! Jasmine et Ahmed, qui s'attendaient à découvrir le métier de mécanicien, ne sont pas au bout de leur surprise. Ils tenteront de sauver la voiture du complice Mokhtar, qui est très attaché à son véhicule. Ils seront aidés par les Jobastres et Dalan, jeune acteur de talent. Quand tu joues, je vomis sur la place. Laisse tomber, t'es mort dans le movie, bien sûr, dans le casting, on te remplace. C'est vous qui faites le bruit des chaussures? Ah oui, mais je sors qu'une après. Ouais, alors attendez. Ça va aller, hein. Ça va aller, mais pas de trop. Tu sais comment on travaille maintenant? Ouais. On traite les voitures comme si c'était des patients. Carte grise, c'est comme le carnet de santé. Quelle a été l'huile qu'on lui a mis? Est-ce que c'est du P900, du 04? Est-ce que c'est un 07? Tu connais tout ça? Ok. Qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce que vous aimez faire? La science, surtout, ou alors le médical. C'est comme j'ai... Ah ben là, vous êtes tombé à merveille, puisqu'en gros, on se comporte comme des vrais médecins. On utilise les termes dans la médecine. Hein. De loin, comme ça. Quel est le modèle, le nombre de chevaux, tout ça? T'arrives à me le dire? Non. Le centrisme? La droiture? Non plus? La 59, la 04, la P08. T'as pas fait d'études sur ça? Bon, ben ça va, tu vas m'assister un peu aujourd'hui. Ça te dérange pas? Là, par exemple, c'est un appareil qui va me permettre de coloscopier. Vous avez déjà entendu? Oui, je connais. Vous connaissez? Oui. Ah, ça me facilite largement le travail. Essayez de venir voir, regarde. Là, de là à là, on a détecté ce qu'on appelle une tumeur. 04, on attaque la réparation sur la P9. On va voir ce que ça donne. Alors là, la voiture, elle est ancienne. Il peut y avoir de la combustion, il peut y avoir de l'arrêt général, il peut y avoir de la fumée. Allez, crache ce que t'as. Là, elle est en train d'aspirer. Elle aspire toutes les mauvaises impuretés. Monte dans le véhicule. Alors, je vais t'expliquer. Quand tu tournes à droite, les voitures, la roue, elle est bloquée, ok? Donc, je vais taper deux coups de quoi? Décompresser ce qui coince. De toute façon, je vais te le dire, hein? C'est bon. Braquage de l'autre côté! Mais je peux pas faire plus! Ok, très bien! Contre-braqué, maintenant! Quoi ça? Tu dois tourner? Contre-braqué! De l'autre côté, contre-braqué! Okay. De l'autre côté! Ok! Allez, s'il vous plaît! Allez! Voilà! Là, la machine, ça a aspiré tout le boulonnage. Parce qu'il y a une couple de pression de 7,4 à peu près sur une échelle de. Il doit y avoir 10 à 7,4, tu es bien serré déjà. Ouais. Quand les boulons sont partis, la pièce elle est plus facile à être retirée. Bien sûr. Connaissez la pédale d'accélérateur? C'est le lequel, droite ou gauche? Complètement à droite. À droite? Lui? Ouais. C'est lui? Ouais, appuyez fermement dessus, braquez à droite à fond. OK. Braquez-y. C'est bon, j'ai braqué. Contre-braqué. C'est en... Aïe aïe aïe, ça arrive. Putain, fais-le, Milo. De l'autre côté. Chier. Putain, restez, bougez pas dans la voiture. Reste dans la voiture, reste! Reste dans la voiture! Le bloc, on attire bien le bloc! Notre braque à droite, on tire à droite! Ok, je l'ai fait! J'accélère! Ouais. C'est bon! Continue à braquer à droite! Braque à droite complet! C'est ce que je fais là! Sortez de là, sortez! D'accord? Sortez! On va la perdre! Le silence, on va écouter ce qu'elle a! Ouais. Prends-le! Le compresseur! Décompresse! Tourne là, putain, l'autre côté! Envoie la P9! Il manque rien du tout, C'est bon, ça va aller. Ouais. C'est bon. Ça a fumé fort hein, et ça sent un peu le soufre. Je pense que c'est le cardan ou quoi, va falloir se décider. Hein? Je vous laisse décider? Ouais. On a le cardan de la voiture. Eh ben, venez, je vous la montre là. Ça, c'est le cardan. Il y a ce qu'on appelle une réaction chimique à l'intérieur qui fait que la voiture explose et démarre. Oui, c'est une combustion, tu sais. Une combustion. Voilà, vous faites de la science. Vous m'aidez. C'est le client. Il y a la famille du patient. Messieurs, s'il vous plaît, venez. On est intervenu. Elle est morte. Elle a une belle vie. C'est fini. On a commandé la mauvaise pièce à cause de la secrétaire. Mais c'est bon. À cause de la secrétaire, on a commandé. C'est votre faute? Non. Parce qu'en fait, c'est une pièce allemande. Et comme elle parle pas allemand. Expliquez-moi, s'il vous plaît, de A à Z. Parce que je pense que qu'ils veulent me carotte. Ils m'ont dit qu'il y a eu un problème sur la voiture. Je me suis mis sur le volant, il m'a dit de braquer à droite, à gauche. Madame, vous comprenez pas, c'est pas pareil, restez une autre. Mon grand-père,
Il a donné à son père, qui est mon père. Je suis son fils, donc mon père. Il m'a donné à moi. Je suis père. Il a retiré cette pièce-là, il l'a mis là-bas, il y avait de la fumée. Le silas, le silas. On s'en prend par quoi, là? Silas, pourquoi, là? La voiture, c'est comme un être humain. Oui, c'est mon bébé, ça. Le bloc! Qu'est-ce que tu vite, s'il te plaît, j'en peux plus. Et sonorise au niveau de la 5, s'il te plaît. Ok. Ah, ça, c'est bon, ça, les gars! Le tuyau, il tombe, le tuyau, il tombe! Accélère, les gars, s'il vous plaît. Tenez le câble, tenez le câble! Ok, on dégage, les panneaux, tout! Dégage, on dégage! On dégage, on dégage! Comment ça, on dégage? On la laisse! On la laisse! Tournez la roue, mademoiselle, s'il vous plaît! C'est pas ce bruit! Je suis mauvaise pour les nouveaux, pour annoncer les mauvaises nouvelles. Ah, ouais, c'est pas grave! Au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? C'est la mécanique, ça, ou pas? Eh ouais, je me suis dit, c'est de la mécanique ou de la médecine? Quand je suis Léo et je parle à tous les étrangers, quand je redescends, je parle à moi-même. Poto, je sais même pas comment parler anglais, mais j'ai parlé aux hawaïennes. Je fais que vanner les fêtards et les pranker, deux embrouilles par soir en moyenne. Y a des mamans qui aiment bien nous fréquenter, mais heureusement, c'est pas la mienne. Yo, et mes larmes à mixer sur les t-shirts.